bien sûr, je crois que c'est que le côté, c'est pas négatif. La maladie influencer son travail, c'est justement le côté il transformait en positif. C'est-à-dire qu'il travaillait avec non-stop. Ça, c'est l'attitude, je dis. Il travaille non-stop. Et aussi, c'est très important, c'est que à la fin, non, c'est pas, on ne peut dire pas à la fin, c'est-à-dire qu'il voulait développer un sujet très important. Disons que il voulait devenir un médecin. Dans le sens que c'est comme il prend son corps comme un laboratoire. Et qu'il voulait guérir lui-même, bien sûr, mais en guérir le monde. Vous voyez, parce que le monde et le corps, c'est lié. Donc, il va développer ce sujet comme un sujet à vie. S'il vit encore, je crois qu'il y a plein de projets qu'il va développer dans ce sens-là. Justement, que je dis, il y a un sujet très important, c'est qu'il travaille toujours dans cette relation de l'homme, la société et la nature. Oui, le sens de médecin, c'est pas qu'il va prescrire des médicaments, c'est que dans le sens que c'est une maladie de la société, hein, et c'est une maladie mentale. Comment il prend beaucoup de soucis pour ça, parce que c'est ça qui déclenchait la vraie maladie, le corps. Donc il faut avant tout soigner le mentalement et soigner les problèmes, la société, la nature.